Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bon, écoutez, je vous fais juste une petite vidéo pour vous montrer un petit peu ce que j'en suis. Une petite vidéo, peut-être pas, parce qu'on va peut-être faire ensemble les étagères au niveau du réseau dessous pour pouvoir ranger tout ce qui est rail, tout ce qui est train, pour faire un petit peu de place, parce que je vais vous montrer, c'est vrai que c'est un petit peu le bazar. Sur le plan, sur le réseau, en fait, j'ai mis toutes mes caisses, tout ça, donc c'est un petit peu le bazar. Bon écoutez, bah, je vais tourner la caméra et je vais vous montrer un petit peu ce que j'ai fait. Donc je vais partir de l'atelier et après on va faire le tour la cabine de peinture et ensuite on finira sur le réseau et on fera les étagères ensemble. Voilà. Allez, je tourne la caméra et c'est parti, let's go. Mais avant tout, je t'invite à t'abonner, à cliquer sur la cloche de notification pour rien louper et à mettre un pouce bleu si c'est pas déjà fait. Allez, voilà, j'ai tourné la caméra. Alors voilà où j'en suis. Du coup, bah, j'ai installé tout mon petit confort Obizone. Voilà ce que j'ai fait. J'ai mis mes prises là-haut. J'ai mis ma caméra, mes prises en haut pour pouvoir faire des petites vidéos sympas. Ici aussi, j'ai remis mes deux caméras haut et bas pour essayer de faire des prises de vue plutôt sympas. Ensuite, à droite, là, du coup, bah, je vous cache pas que c'est un petit peu le bazar encore. Donc là, j'ai mis mes boîtes. Donc ici j'ai mis toutes mes boîtes. Alors par contre ici, ce que je prévois, petite étagère, tac, une autre petite étagère un peu au milieu là, comme ça, tac, comme ça on va pouvoir faire des petits rangements. Je vais certainement faire des petites vitrines. Donc ça on ira en bas à l'atelier, je vous montrerai. Enfin si ça vous dit d'ailleurs. Ensuite ici je pense que je vais faire encore des petites étagères ici. Hop, hop, je sais pas encore comment je vais trop agencer le truc là. Mais bon, des étagères, ça sera sûr. Bon, en contreplaqué, hein, ça sera pas du luxe, mais ça sera utile, on va dire. Ensuite, la cabine. Alors, la cabine est installée, ça y est. Donc, elle fonctionne. Le petit compresseur en bas, avec la petite cuve quand je vais nettoyer les aéros et tout ça. Voilà, tout est là, les aéros et tout. Donc, j'ai pas fini encore. Donc, j'ai connecté le tuyau à l'extérieur. Donc ça c'est plutôt cool. Donc ça c'est fait. Voilà, ensuite ici j'ai mon bureau. Donc voilà. Et ensuite alors au niveau du réseau. Donc là du coup on va mettre des petites traverses là. Tac tac. Donc je sais pas combien je vais en mettre. Ça je vais certainement en mettre une, deux, trois, quatre, cinq. 5 traverses et après je vais mettre du tripli. J'ai un peu de tripli en chute là qui me sert à rien. Je vais pouvoir mettre ça et en fait je vais pouvoir mettre toutes mes caisses. Et ici pareil. Je vais faire ça ici. Comme ça je vais pouvoir un petit peu débarrasser tout mon bazar qu'il y a dessus là. Parce que là je peux pas faire mon. Je peux pas dessiner mon tracé en fait. Puis avec tout ce que j'ai fait là-bas. Voilà. Donc écoutez les amis, je vais me préparer. Et on va faire ça. Allez, c'est parti. Let's go. Bon, voilà. Du coup, on va mettre les traverses ensemble. Alors, avant tout, je vais mesurer combien que ça fait. Hop. Donc, on a 87,5. Donc, 87,5. Déjà, je vais en faire deux. Enfin, je vais aller vérifier au fond. Alors, bougez pas. On va y aller ensemble. Hop là. Ça va être un peu du cascade. Et là, on a pareil 87 et demi. Bon, donc là, on en a deux. Donc là, on en a deux à couper à 87 et demi. Et ici, voilà. Et ici, ils sont plus petits. Donc là, ici, c'est 83. Et donc, normalement, ici, ça doit être 83 à quelque chose près. 83, ça va passer. Donc, je vais en faire 4. 4. 4 à 83 et 4 à 87 et demi. Donc, les amis, on se retrouve en bas à l'atelier. Allez, voilà les amis, on se retrouve dans l'atelier. Bon, écoutez, regardez pas le bazar. C'est l'atelier, j'ai l'impression de toujours ranger. Et en définitive, c'est toujours le bazar. Bon, écoutez, j'ai mes bouts de bois. Bon, je rabote pas, on va faire simple, hein, brut. Donc, on a dit, on en avait 4 à 83.
D'accord. Donc là, ce que je vais faire, c'est que je vais faire une coupe propre sur chacun. Voilà. Hop. Bon, écoutez, je vous fais ça en accéléré. Et on se reprend. À tout à l'heure. Bon voilà, donc là j'ai fait les 83, donc du coup là je vais faire les 87,5, hors caméra, c'est la même chose, c'est le même principe, et on se retrouve en haut au réseau. Allez, je vous dis à tout de suite les amis, à tout de suite. Bon voilà, on se retrouve sur le réseau. Alors on va commencer par les 83, donc les petites parties.
Ce que je vais faire, c'est que je vais mettre la première au fond. Hop là. Est-ce qu'on voit bien? Hop là, ouais. Voilà. Donc la première, je vais la mettre ici. Bien évidemment, on voit rien. Alors attendez, si je fais ça. Voilà. Je pense qu'on voit mieux. Donc je vais me préparer une petite vis ici. Hop là, bougez pas. Bon voilà, j'ai fait cette partie, je vais faire ça hors caméra et je vous reprends. Allez, à tout de suite. Allez voilà, donc j'ai fait cette partie-là. Donc c'est prêt à être réceptionné, à réceptionner les plateaux. Donc je vais pouvoir les faire, on va en faire un ensemble. On va se retrouver en bas, je vais en faire un avec vous et après l'autre, je le ferai hors caméra. Allez, à tout à l'heure. Thank you.
Allez, voilà, on se retrouve. Donc du coup, alors, faut que je prenne la bonne. On va mettre ça en place, en espérant que ça aille du premier coup. Hop là. Bon, après, c'est pas du micro-pile, hein, mais bon. On va essayer de faire quelque chose de pas mal. Ah, du coup, 3 suffisaient. J'en ai fait une de trop. Hop là! Donc, le mieux, ça serait que je mette celui-là en place. Et après, j'y mets un petit coup là-dedans. Bon, je vais aller couper le bout là et je vous retrouve. Allez, voilà, donc ça c'est fini. Donc j'ai pu débarrasser le dessus du plateau du réseau, ce qui m'a permis de mettre tout en bas, donc sur cette fameuse étagère. Donc je sais, hein, va falloir que je repasse dessous certainement pour percer, faire des trous et tout ça. Donc écoutez, je vous reprends et je vous dis à tout de suite. Allez, voilà, je vous reprends. Du coup, on a fait les étagères. Je suis désolé, c'est pas une vidéo maquette pure ou réseau. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire une vidéo maquette. Je pense que je vais essayer de continuer la Jaguar. Ça serait sympa à faire. Donc ça. Ensuite, je suis passé à jouer machin. Hier, du coup, j'ai craqué. Je me suis acheté une petite maquette. Donc une petite Renault 5 Turbo. Hop, je vous la montre. Voilà, j'aime bien ces petites voitures anciennes, elles sont sympas à faire. Malgré que Renault, hein, c'est tous les jours un bruit nouveau. Oh là, je vais me faire des ennemis. Non, je déconne. Voilà. Donc, la vidéo va s'arrêter là. Donc la prochaine fois, j'essaierai de faire la Jaguar comme je vous ai dit. Et puis voilà. Bon, les amis, j'espère que ça vous a plu. Mettez un petit pouce, c'est sympa. Et puis, on va essayer de continuer. Allez, je vous dis à bientôt. Salut, ciao, ciao, bye.